Bonjour à tous. Comme nous vous l'avons expliqué, la gestion de version est un élément essentiel de la recherche reproductible. Git est un système de gestion de version distribué extrêmement puissant qui est rapidement devenu l'un des plus utilisés pour développer du logiciel. C'est un logiciel puissant mais également assez complexe. C'est pour ça que, afin que vous puissiez vous familiariser en douceur avec ce genre d'outils, nous avons déployé une instance de GitLab sur laquelle nous vous avons chacun créé un compte. GitLab est une plateforme fournissant une interface web à Git. Vous allez donc pouvoir faire de la gestion de version dans votre navigateur. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment accéder à cette plateforme et comment l'utiliser. Pour cela, allons ici, dans le premier tutoriel, et accédons à GitLab. Je vais aller dans Connexion. Et là, l'authentification se fait via l'authentification Fun. Vous n'avez donc pas de mot de passe à rentrer. Ça y est, je suis dans GitLab. Cette page d'accueil vous donne accès à l'ensemble des projets. Pour l'instant, vous n'en avez qu'un seul, celui que nous avons créé à l'occasion de ce MOOC. Il est ici. Je vais y aller. Une fois dans ce projet, j'ai accès ici à mon arborescence. Vous voyez qu'ici, je vais retrouver des répertoires pour les modules 1, 2, 3 et 4 du MOOC, dans lequel nous allons trouver par exemple des fichiers. Il suffit de cliquer pour me déplacer. Ici, je trouve un fichier Markdown extrêmement simple, avec simplement écrit module 1. Je vais pouvoir très simplement éditer ces fichiers et rajouter du texte si je le souhaite. Je peux alors sauvegarder et ici indiquer mon message de commit. Ça y est, le fichier a été modifié. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que j'ai également accès à l'ancienne version, parce que je peux accéder ici à l'historique de ce fichier. J'ai ici accès au commit initial qui a permis de créer ce dépôt. Vous avez tous accès exactement au même dépôt. Et ici, le commit que je viens d'effectuer, où j'ai fait une petite mise à jour. En cliquant ici, je remonterai dans mon arborescence. GitLab vous donne donc accès à l'ensemble du contenu de votre dépôt, vous permet facilement de créer des fichiers, créer des répertoires, tout en conservant une trace de chacune des opérations que vous avez faites, soit en utilisant ceci qui ressemble à un gestionnaire de fichiers, soit par exemple ici, en cherchant un fichier particulier. Vous pouvez alors accéder par exemple à l'ensemble des fichiers de type readme.md et vérifier que vous en avez un pour chaque dépôt. L'interface que vous allez trouver ici sur GitLab est similaire à celle que vous pourriez trouver sur d'autres plateformes, comme GitHub ou Bitbucket. La partie que vous voyez ici est en fait votre identifiant. Nous avons créé automatiquement à partir de vos identifiants fun. Sur une véritable plateforme, ce serait probablement votre surnom ou votre nom qui apparaîtrait. L'ensemble des dépôts que nous vous avons créés, pour chacun de vous, est ouvert, c'est-à-dire qu'il est parfaitement possible d'accéder aux dépôts des autres personnes. Si je vais ici sur la partie GitLab, je retrouve mon propre projet, mais je peux également accéder au projet des autres personnes. Vous voyez qu'ici, je peux accéder à l'ensemble des projets de toutes les personnes qui suivent ce MOOC. Soyez donc bien conscient que tout votre travail est complètement ouvert, qu'il est parfaitement possible pour vous aider d'aller regarder le travail de quelqu'un d'autre, ou même, très facilement pour vous, d'indiquer à quelqu'un d'autre d'aller regarder ce que vous avez fait. C'est donc un excellent moyen pour collaborer. Enfin, gardez à l'esprit que nous avons déployé cette instance de GitLab spécifiquement pour ce MOOC. Il est donc très probable que, quelques mois ou peut-être un an après la fermeture du MOOC, nous fermions également cette plateforme. La pérennité de ce que vous allez faire là n'est donc pas garantie. Ceci dit, d'ici là, vous maîtrisez Git et GitLab et vous aurez appris à migrer votre dépôt sur une autre plateforme. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez donc travailler en paix. Je vais revenir à mon propre projet. Regardons ensemble la structure de ce dépôt. Nous avons donc un répertoire pour chacun des modules et c'est cet espace qu'il vous faudra utiliser pour réaliser les exercices que nous vous proposons dans chaque module. Regardons ensemble, par exemple, le premier ou le deuxième de ce module.
Celui-ci, par exemple, écrire un fichier Markdown, c'est le numéro 2. Vous trouverez ici tout un tas d'explications sur comment procéder, pas à pas, en allant sur votre dépôt, en créant un répertoire, un fichier, et ainsi de suite. L'objectif de l'exercice 2, ici, est de rédiger un document Markdown qui correspond à un modèle que nous fournissons ici. Un petit point important, vous retrouvez ici le bouton vous permettant d'accéder à GitLab. Dans cet exercice, comme dans un certain nombre d'autres, il vous faudra donc créer un fichier au bon endroit, avec le bon nom et avec le bon contenu. Pour vérifier si vous avez correctement réalisé l'exercice, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton-là. Ce bouton-là est une aide qui va vous permettre de comprendre si vous avez correctement répondu à la question ou pas. Je vais vous montrer ici. Dans mon cas, je n'ai suivi aucune des indications qui ont été données, je n'ai donc pas créé le fichier. Je peux néanmoins demander à comparer avec la solution. À droite, je vais retrouver ce que j'ai déposé dans mon espace GitLab, et à gauche, la solution, comparée point par point. L'objectif est de pouvoir vous indiquer précisément où les différences se trouvent. Je vais revenir une dernière fois dans mon espace. GitLab est un environnement extrêmement riche. Je ne vais donc pas pouvoir vous démontrer chacune de ses fonctionnalités. Néanmoins, nous vous avons fourni un certain nombre de vidéos vous les illustrant. Je vous encourage vivement à les regarder et à continuer à découvrir cet espace par vous-même. À très bientôt !